Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage des énergies pour la semaine qui arrive. Ce sera déjà le 7 mars au 11 mars, c'est fou comme le temps passe vite et le printemps approche à grands pas. Alors, comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets, le chapeau magique, le chat noir fidèle au poste, voilà. Et en troisième choix, j'ai sorti ma petite tortue en bois. Voilà pour ceux qui aiment les tortues. Donc faites votre choix entre un des trois objets. Pour les jeux, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle Ro. J'ai ressorti l'oracle aura de Laura Barrière. J'avais envie d'un peu de couleur. J'adore ce jeu. Et comme petit conseil pour cette semaine, petit message qui va vous accompagner, j'ai ressorti l'oracle Histoire de sorcière de Deborah Blake et qui a été édité chez Arcana Sacra et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, voilà. Comme d'habitude, je n'ai encore rien sorti des pochons. Je mettrai le timing comme d'habitude hein, pour ceux qui n'ont pas envie de tout écouter le blabla. Je vous mettrai tout ça dans la barre de description. Sinon, ben, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour le moment, je ne sais pas chez vous, mais ici en Belgique, on est gâté avec le temps. On a du soleil, mais plein soleil depuis presque une semaine. Ça fait un bien fou. On a même pu aller travailler dans le jardin, se mettre au soleil. Hier, on a été chez ma maman, on a même pu prendre l'apéritif dans le jardin. C'était vraiment très, très, très chouette. Bon, mis à part, évidemment, l'actualité qui, elle, est nettement moins reluisante, hein, j'ai envie de vous dire. Ça fout un peu les jetons, comme on dit, tout ce qu'on entend. Bon, on va commencer avec, bah, comme d'habitude, l'oracle des secrets. Voilà, voilà. Et bah du coup, j'espère qu'on aura des bonnes énergies. Ah, bah décidément. Bon, bah, on va prendre ces deux-là, alors, hein, vu qu'elles ont volé, littéralement. Et comme il n'y en avait que deux, ma foi. Voilà. Alors, je vais essayer de les pousser un tout petit peu, parce que là... Ou bien peut-être de les superposer. Voilà, c'est peut-être un tout petit peu mieux. Histoire qu'on voie tout. Tout bien. Et ma petite tortue. Voilà. Où je vais mettre mes cartes? Ça, c'est la question. Alors, l'oracle Ro. Voilà. Une et encore une ici. Voilà, voilà. L'oracle aura. Encore un peu et j'en vois tout valser. J'aime bien le format de ce jeu aussi. Les cartes sont assez petites et il est super agréable à mélanger. Et moi, j'adore ces couleurs et le dos aussi d'ailleurs. Je suis vraiment contente de l'avoir celui-ci. Voilà. Pour le coup, je vais l'étaler. Une. Deux. Non. Si, finalement, par là. J'avais envie de dire non et finalement, j'ai dit oui. Et on va finir avec une petite carte du coup de l'oracle Histoire de sorcière. Voilà, voilà. Une, deux, un, trois. Voilà, c'est parti. Bon, on va commencer bah, du coup avec ceux qui ont choisi le chapeau, hein, comme d'habitude. Je vais regrouper un peu mes petits paquets. Alors, le papillon et l'œil. Le papillon, papillonnage, légèreté et flirt et l'œil, précaution, vigilance et observation. J'ai envie de dire, cette semaine, on vous dit peut-être de garder, bah, comme on le voit, l'œil ouvert. Peut-être que vous allez être dans une semaine où vous allez vous sentir plus léger, vous allez peut-être papillonner. Vous savez, quand on, comment dire ça,
On papillonne, on se tracasse pas des affaires, on pense pas trop, on est content. Mais ici, on vous dit peut-être quand même de garder l'œil ouvert, de rester vigilant et d'observer peut-être par rapport à ça, cette envie de légèreté, de papillonner. Et le papillon est également signe de transformation. Mais ici, on a vraiment l'idée hein, de papillonner. Vous savez, le papillon, il passe de fleur en fleur, il butine. C'est un peu ça, peut-être qu'on vous dit de garder l'œil ouvert, justement, par rapport à... Peut-être que vous allez avoir un comportement un petit peu trop... Peut-être pas assez sérieux, c'est même pas encore ça le mot, mais comme le papillon, vous allez peut-être aller vous disperser. Voilà, passer à plein de choses différentes. Vous allez peut-être pas arriver à vous fixer sur un seul objectif. Et vous allez peut-être vraiment vous disperser sur plein de choses différentes cette semaine. Et on vous dit peut-être de prendre vos précautions et de quand même rester vigilant. Et par rapport à ça, et peut-être qu'il faudrait peut-être mieux revenir à un seul objectif. Voilà. Alors, l'oracle euro, qu'est-ce qu'il va nous dire avec ça? Bon, ici, on a la carte de la noyade. L'idée vous allez peut-être être un peu dans le surmenage cette semaine. Vous allez peut-être justement faire trop de choses à la fois, aller dans trop de domaines différents. Et du coup, vous allez peut-être avoir l'impression de vous noyer un petit peu, peut-être dans le boulot finalement. Vous allez avoir du mal à garder la tête hors de l'eau, parce que peut-être vous vous dispersez beaucoup trop. Donc, restez quand même vigilant par rapport à ça. Peut-être essayer de faire peut-être une to-do list avec ce qui est vraiment le plus important à faire d'abord pour justement essayer de cadrer un petit peu les choses que vous devez faire, d'abord faire les choses que vous devez absolument faire, que vous ne pouvez pas remettre au lendemain pour justement pas vous retrouver noyé sous la surcharge de choses. Moi, parfois aussi, je me dis, oh, j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire. Et au final, ça me stresse déjà rien que d'y penser. Alors que quand je fais une chose à la fois en faisant celle que je dois absolument faire, ça va beaucoup mieux. Et je me sens toujours soulagée quand j'ai fait les tâches que j'étais vraiment obligée de faire. Donc, c'est peut-être ça. Peut-être rester vigilant. Par rapport à ça, faites peut-être une to-do list pour éviter de papillonner dans divers domaines. Faites vraiment ce que vous devez, ce qui est vraiment important pour éviter justement de vous noyer dans les choses à faire et peut-être à stresser justement parce que vous n'arrivez pas à garder la tête hors de l'eau et à faire tout ce que vous avez besoin de faire. Voilà. Soyez organisés, voilà. Ah, ici on a quand même la carte de la fête. Vous allez peut-être fêter un événement cette semaine. On va peut-être vous apprendre quelque chose, une nouvelle, ou peut-être que vous avez un anniversaire, par exemple une fête d'anniversaire, un baptême, un mariage, quelque chose de prévu cette semaine. C'est tout ce que je vous souhaite. Ça va peut-être vous détendre aussi, de penser à autre chose. Ça peut être une fête que vous organisez, ça peut être aller au restaurant, vous pouvez voir ça comme une fête également. Peut-être que vous avez un mariage de prévu, un baptême, une communion, on ne sait pas trop le moment, je crois, mais enfin voilà, vraiment l'idée de fêter quelque chose, peut-être qu'on va vous annoncer quelque chose, que ce sera là une fête également. Alors ici on a la magie de la terre, cette carte est magnifique, j'espère que vous la voyez bien, magie de la terre, avec ce petit chat ici qui est juste au bout. J'ai envie de dire ici, ce serait peut-être l'idée justement de vous ancrer à la terre pour garder pied sur terre justement. Vous voyez quand on est un peu stressé et le fait de garder pied sur terre, d'aller peut-être dans le jardin, des choses comme ça, ça peut aider aussi à justement à se détendre. Et je vais vous lire du coup ce qui est écrit dans le petit guidebook. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Je vais vous lire juste la divination. Hein. Cette carte est une invitation à la magie. Chacun a sa propre définition de la magie. Alors choisis un acte magique qui te reconnecte à l'élémentaire et fais-le aujourd'hui. Pas besoin d'un rituel long et complexe, sauf si tu en as envie évidemment. La magie nourrit l'âme comme la terre nourrit le corps. Fais quelque chose de magique, ton esprit te remerciera. Et du coup ça nous dit
Promène-toi et regarde toutes ces pousses en croissance. En plus, c'est le moment avec le printemps, tout repousse. Sème de nouvelles graines dans ton jardin ou dans un pot de fleurs chez toi. Donne la vie par la terre, la regarder grandir et s'épanouir. C'est magique. Plus concrètement, fais une bonne action pour la terre. Plante un arbre, par exemple, ramasse les ordures qui traînent ou crée un lieu accueillant dans ton jardin pour les oiseaux ou les petites bêtes. Ce faisant, sois attentif à ta connexion à la terre et gonfle ton cœur de gratitude pour ses présents. Ouais, c'est peut-être le moment justement cette semaine, mais justement d'un petit peu vous aérer aussi. Hein, si jamais vous êtes dans cette situation de stress, allez peut-être un peu, si vous avez un jardin, dans votre jardin, regardez tout qui reprend vie. Le printemps approche, les arbres rebourgeonnent, les fleurs sortent, les animaux, je vois les petits oiseaux, moi qui n'arrête pas de chanter dans le jardin, qui sont déjà en train de faire leur nid, etc. Donc allez peut-être vous ressourcer un petit peu dans la nature, ça ne pourra vous faire que du bien. Hein. Si vous vous sentez justement surmené, en général, le fait d'aller dans le jardin, d'observer la nature, de se promener, en général, ça déstresse et ça enlève déjà beaucoup de mauvaises énergies. Et n'oubliez pas de vous ancrer, évidemment. Voilà, on va passer à ceux qui ont choisi le petit chat noir. Alors, on a encore ces champignons, ils nous poursuivent. Et l'amour, c'est exactement les deux mêmes cartes qu'on a tirées, je crois, pour ce week-end. Bon, évidemment, je ne sais plus pour qui c'était, mais voilà. Ben, encore une fois, cette idée de champignon, hein, quelque chose de toxique, un poison qui ronge peut-être. Ça peut avoir une relation affective, hein, une passion dévorante, je vous l'avais déjà dit. Une passion dévorante qui vous fait un petit peu mettre de côté tout le reste parce que vous ne vivez plus que pour cette personne. Ou ça peut aussi être une passion dévorante pour un boulot, hein, une activité ou quelque chose qui fait que vous êtes vraiment dévoré par votre passion. Ça peut être amoureux, etc. Et ben, c'est quelque chose d'assez toxique. C'est peut-être un poison, du coup, qui vous ronge. Hein. On a vraiment de nouveau cette idée de quelque chose de toxique qui est là. Et qui, voilà, et ouais, vraiment quelque chose de toxique, un poison qui vous ronge, qui vous êtes enflammé peut-être pour quelque chose. Et bon, évidemment, là, c'est souvent le cœur qui parle quand on est dans la passion. C'est pas le mental, le cerveau qui va parler, c'est vraiment le cœur qui va foncer. Et c'est pas toujours une bonne chose. Des fois, on se trompe, évidemment. Donc, voilà. On va voir ce que l'oracle Ro nous dit. La paix. Peut-être qu'on nous dit ici, justement, que cette semaine, vous allez peut-être trouver la paix par rapport à une situation qui vous a... C'est peut-être une situation ancienne aussi, du coup, qui vous a dévoré, qui était toxique pour vous. Peut-être que vous vous sentez en paix cette semaine. Peut-être que tout ça, la situation toxique est derrière vous. Et peut-être que vous vous sentez en paix cette semaine. Ou peut-être tout simplement que vous arrivez à mettre cette situation de côté. Un petit peu l'oublier, l'enfouir en vous. Et peut-être que cette semaine, vous allez vous sentir en paix justement avec vous-même. Peut-être aussi, quand je vois le soleil, ça me met de bonne humeur. Tout de suite, quand il fait moche dehors, qu'il pleut, quand j'ai des petits tracas, tout de suite, c'est beaucoup plus amplifié parce que je vois qu'il fait moche dehors et ça joue sur le moral. Quand je vois du soleil, forcément, ça me met en joie. Donc peut-être que cette semaine, vous allez être en paix avec vous-même, malgré peut-être tout ce qui vous entoure de toxique qui pourrait vous bouffer la vie, entre guillemets. Qu'est-ce que nous dit l'oracle Ro ? La sagesse. Elle est jolie, cette carte. Peut-être que cette situation est derrière vous et que vous en avez vraiment acquis une certaine sagesse. Hein. C'est souvent comme ça, hein, malheureusement. C'est en faisant des expériences négatives aussi qu'on apprend et qu'on tire des leçons de la vie et qu'on gagne en sagesse. Ou alors vous allez faire preuve de sagesse cette semaine justement et vous allez être en paix avec vous-même parce que vous ferez ce qui est bon pour vous. Aussi, c'est vrai, la chouette ici, c'est vraiment la sagesse. Peut-être que vous allez tirer des leçons du passé, justement, et peut-être vous rendre compte que vous êtes en paix cette semaine avec vous-même. Vous allez peut-être vous sentir bien. Voilà. Et l'histoire de sorcière, ici, on a « Distribue l'amour ». Elle est jolie, cette carte. Aussi, elles sont toutes belles, ces cartes. Ici, j'ai envie de dire, peut-être qu'on vous dit... de partager des choses avec vos proches, avec des amis, des personnes qui comptent pour vous. Donnez de l'amour aux autres, parce qu'en donnant de l'amour aux autres, vous en recevez en retour en général, hein, quand ce sont des bonnes personnes.
Regardez, on voit les deux petits chats ici qui partagent la même gamelle et ici ils partagent un moment ensemble aussi. Donc j'ai envie de dire partager un moment ensemble avec vos proches et vous, normalement vous aurez de l'amour en retour. Je vais vous lire du coup ce qui est écrit dans le guidebook. J'ai le chat qui a sauté, il m'a saisi. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Voilà. Alors, cette carte invite à ouvrir ton cœur. Une personne t'a peut-être proposé son amour sans que tu n'aies pris le temps ni l'énergie de le lui rendre en retour. Il est facile de prendre pour acquis ses amis, sa famille, son compagnon ou sa compagne quand on mène une vie bien chargée. De se dire « Oh, il sait bien que je l'aime » ou « Je ferai bien un geste plus tard quand j'aurai le temps ». Aurais-tu été trop centré sur toi-même, les dieux t'invitent à diriger ton énergie vers les autres et non vers toi-même. Il se pourrait qu'un proche crie son besoin d'amour sans que tu ne l'aies entendu. Regarde autour de toi, offres-tu suffisamment d'amour à ceux qui comptent à tes yeux? La vie est courte et on ne sait pas ce qui nous attend. N'attends pas demain de pouvoir donner de l'amour que tu ressens aujourd'hui. Ben, c'est un petit peu en rapport avec ça, hein. À ce que je venais de vous dire, ben peut-être que vous êtes tellement pris dans le feu de l'action, dans une passion, peut-être une passion pour votre boulot, peut-être que vous adorez votre travail, vous donnez à fond dedans, que finalement vous avez peut-être un petit peu mis de côté ben, le reste, vos proches peut-être. Et ici on vous dit peut-être qu'il est peut-être temps ben, de mettre un petit stop à tout ça et ben maintenant de prendre le temps de dire à vos proches qui comptent pour vous, que c'est pas. Il faut le montrer. Faut pas attendre demain en se disant que vous avez pas le temps. Ça compte aussi de montrer bah, l'amour à vos proches, à ceux qui vous entourent. Et vous trouvez peut-être que de cette façon, justement, vous vous sentirez en paix avec vous-même parce que vous aurez réussi à équilibrer les deux et à montrer à vos proches qu'ils comptent pour vous, évidemment. Voilà, voilà. Et maintenant, on va passer à ceux qui ont choisi ma petite tortue. C'est fou, hein, comme ces deux cartes, le champignon et l'amour, sont déjà ressortis. Ici, on a la couronne et l'aîné. La couronne avec la souveraineté, le pouvoir et la valeur. Et l'aîné avec l'aïeul, la sagesse et le savoir. Ici, j'ai envie de dire, on va peut-être vous dire cette semaine qu'il va falloir reprendre votre pouvoir. Peut-être vous exprimer davantage et reprendre votre pouvoir. Peut-être sur les autres, peut-être que vous avez tendance à faire ce qu'on vous dit. Et ici, on a peut-être tendance, du coup, à vous dire qu'il est grandement temps que vous repreniez votre propre pouvoir et vous exprimez. L'aîné qui peut représenter aussi la sagesse, évidemment, le savoir, la connaissance. Peut-être qu'on vous dit aussi que vous avez la sagesse, justement, pour reprendre votre pouvoir. Vous savez ce qui est bon pour vous, hein, évidemment. Vous avez vécu vos propres expériences. Peut-être que vous pouvez tirer votre sagesse du passé, mais on a vraiment l'idée de reprendre son propre pouvoir ici. Vous avez le savoir aussi. Ne vous laissez peut-être pas écraser cette semaine par les autres et prenez le courage de vous affirmer et de reprendre votre pouvoir, de ce qui est bon pour vous, de vous affirmer. C'est mieux de... Je dis toujours, hein, c'est mieux de s'affirmer que d'enfouir au fond de soi. Parfois, on fait tout pour faire plaisir aux autres et au final, c'est pas bon pour nous. Et on devient aigri à la fin et on le vit mal. Donc, c'est peut-être mieux de reprendre le pouvoir, de vous exprimer, de faire, encore une fois, les valeurs, de faire savoir vos valeurs, ce qui est bon pour vous, ce qui compte pour vous, hein. Et de ne pas faire des choses qui sont contre vos valeurs, justement. Valeurs que vous avez peut-être, qu'on vous a peut-être transmis, justement, de vos ancêtres, de vos aînés, grands-parents, parents, etc. Il y a vraiment l'idée aussi de se battre pour ses propres valeurs et de ne pas faire des choses qui vont, justement, à l'encontre de nos valeurs. C'est important d'honorer les valeurs qu'on nous a transmises, je trouve. Alors, l'oracle euro nous parle de l'être. Ici, vous allez peut-être avoir du coup des nouvelles, ça peut être par, comme on le voit, hein, par courrier, par téléphone, par mail, par SMS, par tout ce que vous voulez. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelque chose cette semaine qui aura peut-être justement, ce sera peut-être quelque chose justement qui ira peut-être à l'encontre des valeurs qu'on vous a transmises ou au contraire qui sera dans le sens des valeurs qu'on vous a transmises. Voilà, ou alors tout simplement, vous allez peut-être avoir aussi des nouvelles d'une personne plus âgée, ça se peut aussi, hein, peut-être vos grands-parents ou une vieille tante que vous ne voyez plus depuis un moment. Je vais peut-être juste bouger un tout petit peu, vous allez peut-être avoir des nouvelles aussi de cette personne.
Ici, l'oracle, ben, mince, alors regardez, la couronne et la couronne. Et le mot pouvoir, c'est exactement ce que je viens de vous dire, de reprendre votre propre pouvoir. Et on a deux fois le mot pouvoir. Donc, je pense que cette semaine, pour vous qui avez choisi la tortue, il va vraiment falloir prendre votre courage à deux mains, relever vos manches et reprendre votre pouvoir et vous affirmer, crier haut et fort ce qui compte pour vous, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Là, il nous le dit deux fois, donc je pense que le message est assez clair. Ne vous laissez pas écraser et arrêtez de faire tout ce que les autres vous demandent si ça va à l'encontre de vos valeurs. Exprimez-vous et parfois vous serez saisi du résultat. Et ici, on a la joie et les plaisirs. Elle est jolie aussi, celle-ci. Ben ici, j'ai envie de dire, on vous conseille, malgré tout, de vous faire plaisir, de voir les petits plaisirs autour de vous. Regardez ici, elle se fait un pique-nique, elle s'amuse, elle laisse parler son enfant intérieur. On voit qu'elle est entourée de ses animaux. Donc, faites-vous plaisir cette semaine, malgré tout, hein, pour ne pas perdre. Et peut-être aussi, c'est quand on se fait parfois plaisir, quand on se sent joyeux, etc., on est remonté à bloc et on a beaucoup plus la force justement de s'exprimer, de reprendre son pouvoir, que quand on est triste, que ça va pas, qu'on n'a pas le moral, on a nettement moins de force pour reprendre son pouvoir. Donc j'ai envie de dire là, faites-vous plaisir et reprenez votre pouvoir. Je vais chercher dans le yearbook. Par contre, je ne sais pas dans quelle catégorie elle est. Non, l'eau, c'est pas. C'est le seul truc qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas de numéro sur les cartes. S'il y en a, mais comme le guidebook est classé par catégorie, c'est moins pratique, je trouve, pour les retrouver. Non, c'est pas celle-ci. Où es-tu? Où te caches-tu? Bon. Non plus. La joie, j'adore cette carte. Bon, vous m'excuserez, mais je la cherche dans le livre. Bien sûr, je ne la trouve pas. Moi, elle serait tout au bout. C'est pourtant pas celle du feu, ça, je crois. Ni celle de l'eau. Bon, ce sera peut-être bien la toute dernière. Non. Alors, ça devait être juste avant. Bon, du coup, vous aurez 5 minutes de temps en plus avec moi. Ah voilà, je l'ai. C'était dans la catégorie du feu. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Cette carte porte un message clair. Trouver, accueille la joie. Sortirais-tu d'une période de mélancolie, d'un coup de blues, ou as-tu été trop occupé par ta vie d'adulte pour savourer les plaisirs simples de la vie? Ou encore, comme beaucoup de gens, ne te sens-tu pas digne de ressentir de la joie? Quoi qu'il en soit, tu as tiré cette carte et c'est sans doute le signe que tes réserves de joie se tarissent. Pas besoin d'un effort surhumain ou de percer son portefeuille pour les approvisionner. Tu n'as pas à partir à Disneyland pour être heureux. Enfin, sauf si tu en as envie, dans tous les cas, fonce. Mais la joie demande quand même un petit effort ou du moins un petit coin aménagé à tes côtés. Une fois qu'elle t'a rejoint, ne la rejette pas. Ne sois pas pressé de passer à autre chose. Accueille pleinement cette joie. Immerge-toi dans ce moment. Exclame-toi, souris, bondis. Et si c'est ce qui te fait envie. Fais l'enfant juste un instant. Balance-toi de plus en plus haut en faisant valdinguer tes sandales. La joie est bonne pour l'âme. Allez, trouve quelque chose qui te rend heureux tout de suite. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Trouvez-vous un petit moment de joie pour garder ce petit côté justement de joie et de plaisir cette semaine et trouver la force de reprendre votre pouvoir et de vous exprimer. Voilà, c'était le petit tirage du coup pour les énergies de cette semaine qui n'est pas trop mauvais, ma foi, les énergies. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours de plaisir de partager tout ça avec vous dans les commentaires. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà un bon dimanche si vous la regardez aujourd'hui, le jour où je la poste, la vidéo. Et si pas, je vous souhaite déjà une très 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 belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!